Donc j'ai toujours été dans une contestation perpétuelle. Je pense que je me suis assagi aussi par rapport au déboire syndical que j'ai eu. Ancien socialiste, oui, parce que j'y ai cru, mais aujourd'hui, avec l'abécédaire des genres, le mariage pour tous, tout ce qui est mis en place par le gouvernement de Hollande, je ne me retrouve plus du tout dans ce programme-là. Donc il faut que les gens réagissent. C'est un défi aussi pour moi de me mettre numéro 2 sur la liste de France Jamais. Mais je pense j'ai beaucoup plus d'affinité avec France Jamais qu'avec Moore ou qu'avec Sorel. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire avancer les idées et il faut que la France bouge, la ville bouge et que les gens bougent.